Et bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Ratchet & Clank All For One, épisode 9 il me semble. Alors écoutez, pour ceux qui suivent la série en direct, oui ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un petit épisode de Ratchet & Clank All For One. Et d'ailleurs j'aurais pas dû en faire un aujourd'hui, mais j'ai décidé que de finalement au lieu de privilégier Daxter aux autres séries comme je voulais faire à la base, je me suis dit Ratchet & Clank All For One, c'est quand même la série que vous suivez le plus, c'est celle que vous appréciez le plus, c'est celle qui reçoit le plus de messages en demandant quand est-ce que sort la suite. Donc écoutez, bah, j'ai décidé de faire un nouvel épisode et même jusqu'à finir le jeu même de Ratchet & Clank All For One. Alors écoutez, bah, on va être ensemble jusqu'à la fin du jeu. Donc d'ici une ou deux semaines, je pense qu'il sera fini. Donc moi, écoutez, en attendant, je vais continuer, je me souviens plus du tout de l'histoire, donc faudra pas compter sur moi pour se rappeler l'histoire. Non, vraiment plus du tout, faudra que je me renseigne vraiment parce que je reprends totalement en live, j'ai totalement improvisé, je me souviens plus de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on va devoir aller tout là-bas à l'aide de ce truc qui normalement permet de donner à bouffer aux poissons. Donc on va servir d'appât et on fait d'appât de. On va servir de bouffe et on va partir. Allez, c'est parti. Tiens, t'en prie, Ratchet. Le fameux coup du joystick. Et on est parti. Et je pense que c'est complètement kamikaze ce qu'ils font. Rendez-vous compte quand même, le nombre de risques qu'ils prennent quand même. Vous imaginez vous faire balancer par un canon, ce truc qui donne à bouffer aux poissons quoi. Le pire c'est que eux ils tombent sur un putain de tourbillon qui les fait remonter. Et parce que le tourbillon les fait remonter, il les fait pas descendre, il les fait monter. Tout à fait logique. Et les voici dans une zone. Ok, donc apparemment faut détruire ce truc là-haut là. Faut détruire ce truc là-haut, donc pour détruire ce truc là-haut apparemment on va avoir besoin de. Pardon, là que j'ai pas fait exprès. Pour une fois que c'était pas fait exprès, je vous promets. Je voulais juste te balancer un petit peu derrière, mais. Malheureusement. Bon, qu'est-ce qu'il fout Clank là? Il fait rien. Bon, tant pis. Si on peut pas compter sur Clank. Aïe, tu fais mal. Donc je voulais dire, ouais, pour détruire ce fameux générateur là, apparemment on va devoir détruire trois petits, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est trois petits trucs. Et puis donc voilà, on est parti pour faire ça. Bon, maintenant je me sens un petit peu seul à tirer et je sais pas ce qu'il fout Clank. Mais je me sens bien seul moi. Yo, voilà. Toujours si destructeur le combustor, pardon. Et voilà. Donc ouais, tout petit truc dont je voulais vous parler vite fait, vraiment vite fait là par rapport à un truc. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, la raison pour laquelle on est un petit peu absent, je pense que si vous avez suivi un minimum la chaîne, vous êtes au courant maintenant. C'est parce qu'on a dû gérer tout le partenariat avec Machinima. Si vous savez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à regarder dans nos vidéos une vidéo qui s'appelle Partenariat avec Machinima justement, et dans laquelle je vous compte vraiment en détail tout ce que le partenariat nous apporte. Hein. Vous pouvez aussi aller passer voir la vidéo. Merde, putain, j'ai fait n'importe quoi là. La vidéo que je suis en train de monter là. Je sais pas combien de temps je vais mettre avant de pouvoir la poster, mais je pense que bientôt vous pourrez l'avoir disponible sur la chaîne. Cette vidéo sera donc vraiment destinée à tous ceux qui découvrent la chaîne, sinon juste à ceux qui veulent connaître un maximum la chaîne. Et en gros, le but de cette vidéo, c'est vraiment de dire tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire toutes nos adresses utiles sur les réseaux sociaux tels que Facebook, etc. Comment nous envoyer des vidéos, comment faire des bonnes vidéos, etc. Donc voilà. Et maintenant, je vais donc appliquer une nouvelle résolution que j'ai prise suite au partenariat. C'est vrai que souvent, dans les derniers épisodes, j'ai beaucoup parlé de la chaîne sans m'intéresser vraiment au jeu. D'où maintenant le fait que je ne sais plus où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Même si c'est vrai que. Putain, mais Clank, mais Clank, mais Clank! Facepalm. Ah, c'est vrai que sans vidéo, on voit pas trop le facepalm, mais c'est pas grave. Donc, ouais, Ratchet & Clank Rift Apart, c'est vrai que c'est niveau scénario, de toute façon, c'est pas. Oh putain, les ventilos. C'est vrai que niveau scénario, c'est peut-être pas le meilleur Ratchet & Clank quand même qu'on ait vu.
Et c'est vrai que je dois avouer que je ne sais absolument rien de l'histoire, je ne fais que suivre. Ok, donc on va faire péter ça. Donc pour le moment on va essayer de buter les ennemis pour pas qu'ils nous gênent. En tout cas je vois qu'il y a un symbole globule là en haut. Donc il va falloir que je balance des globules tout visqueux dessus. Donc voilà, maintenant je vais me concentrer essentiellement sur le gameplay, le gameplay, le gameplay et seulement le gameplay. Ça fait beaucoup de gameplay tout ça. Et puis voilà, j'adore faire des phrases comme ça avec des et puis alors que j'ai rien à dire en fait. Ah mais si, non mais Clank, si on lance tous les deux globules, qui c'est qui va péter le truc? Voilà, ça va mieux comme ça. Par ici. Allez Clank. Vas-y Clank. Eh bien. Donc là normalement il est cassé, voilà. Je sais pas pourquoi on fait ça en fait, c'est du vandalisme pur, hein, voilà. Ratchet, un pur vandale, il arrive, il détruit tout comme ça, allez, tranquille. On se ramène comme ça et on détruit les fusibles, bah oui, on va péter le courant, bah oui, bien sûr. Hein. Sans blague. Sans blague. Ça fait peut-être du bien à Clank, qui sait. Hein. Donc. Non. J'ai failli me faire avoir en plus. Bon, ça va, ça a l'air quand même assez lent comme mécanisme, je pense que bon, on devrait pas trop nous poser de problème sur le sauveur de plaques. Vas-y, Clank. Tu peux le faire, mon copain. Ne t'en veux pas, mais non, mais c'est quoi ça, abruti. Allez, c'est parti, Clank. Je sais que je compte sur toi là, tu peux le faire. Tu peux le faire, Clank. Il l'a fait. Bon, la Clank est abruti apparemment. Donc moi je le rejoins et puis hop, je me fais pas chier. J'ai complètement triché mais c'est pas grave. On a bien le droit de tricher un petit peu de temps en temps. Hein. De toute façon ils ont mis la coopération pour ça je pense. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'était pas très loyal. Donc je vais essayer d'éviter ce genre de tricherie. Même si au final bah, ça aurait pu être très différent de la manière dont j'aurais dû me démerder. Cette fois je m'occupe de comme ça moi. Après qu'on a voyé, ça a déjà l'air un peu plus sympa quand même comme comme surface de combat pour péter les trucs là. Je crois que Clank est tombé. Pacificon, pacificon. Ok, les trucs sont ouverts. Et bien sûr quand les trucs sont ouverts maintenant il y a électricité partout. Et heureusement apparemment il y a de la plaque. Il n'y a pas des plaques. Les plaques ne sont pas partout électrifiées. Voilà, c'est bien Clank. Par contre, pour l'autre, c'est très compliqué. Alors si en plus, il y a tous les cochons qui se mettent à me pousser, ça va pas être sympa. Bien sûr, si Ratchet ne sait pas viser droit aussi, ça va pas être pratique du tout. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il est passé, Clank. Allez, Clank. Clank. Faut que je fasse tout moi-même ou quoi? Voilà. Je me suis explosé la tête, mais au moins j'ai réussi à l'avoir. Ah, il me s'est fait massacrer la tronche, regardez la vie qui me reste. Ah putain, là ils m'ont. On a perdu le cochon! Non! Mon cochon! Oh merde, 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 merde. Avec un point de vie, ça va pas du tout être sympa ça. Nanotech, 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 nanotech. Nanotech, 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 nanotech. Allez, nanotech, s'il vous plaît! Ah, j'ai entendu le bruit. Ouais, j'en ai eu un. Mais j'ai pas gagné de vie. Vas-y, viens par là, Clank. Vas-y, Clank, viens par ici. Je crois qu'on l'a cassé. Nanotech, il y en a plus, ça y est. Fais chier. Oh, oh putain, non, c'est quoi cette histoire de temps? Oh merde, je le sens pas ça. Vas-y, viens ici, Clank. Viens ici, Clank. Viens ici. Plus vite, bruti. Putain, on a failli perdre à cause de lui, là. Voilà, ensuite. Oh non, me dites pas. Comment que je vais faire, là? Je fais quoi, là? Ok, d'accord.
Aïe! Oh putain, on n'aura pas le temps. J'ai fait n'importe quoi là. Et bien sûr, si Clank est aussi lent. Comment vous voulez qu'on fasse? Regardez-moi la vitesse à laquelle va Clank aussi, mais. Faut que je l'embarque avec moi direct en fait. Hein. Viens ici. Okay, faut que je me balade avec lui, sinon ça marchera pas. Clank est décidément trop lent. Oh putain, allez! Allez, viens! Viens! Abruti! Mais non, mais regardez-moi ça! Mais comment voulez-vous que je fasse avec une intelligence artificielle pareille? C'est pas possible! Non, là, vraiment, c'est vraiment pas ma faute! Hein. J'essaye de ne pas critiquer là, mais. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con ce Clank! Mais. C'est hallucinant! On entend des sommets là, sérieusement! Putain, heureusement, ils ont sauvegardé! Allez, c'est reparti! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? J'ai une de ces envies de te jeter dans le vide, mais je vais pas le faire. Je vais résister. Oh putain, que je le sens pas ce coup. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ah voilà, ok, c'est bon. Voilà. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti. 30 secondes. Et le truc électrifié, bien sûr. Oh putain, je sens que je vais me faire baiser. Oh mais non, mais si Clank tombe tout le temps... Excuse-moi, il va y avoir des problèmes, là. Faut que je fasse tout seul. Mais non, je t'ai pas tombé, mais non. Vas-y, regardez-moi ça. Allez, j'étais tout fier, j'avais tout fait tout seul. Eh ben non, faut qu'on me casse mon délire. Oh, mais non, moi je sais comment m'en sortir maintenant, je fais tout seul. Hein. Y'a pas photo, maintenant je fais tout seul. Vu que cet abruti est même pas foutu de m'aider. Mais préviens-moi avant, crétin. Voilà. J'ai encore fait la même connerie, c'est hallucinant. À cette fois, j'ai intérêt à attendre parce que. C'est pas que je commence à en avoir marre, mais presque là. Et je suis sûr que vous aussi vous en avez marre. Je suis désolé. Quoi? Ils sont de ma gueule, ils m'ont jeté comme ça, bah oui, hein. Jetez-moi, ouais, je vais pas me plaindre. Hein. Forcément, si on m'empêche de jouer, comment vous voulez que je finisse ce putain de jeu? Non mais... Clank. Mais Clank! Regardez-moi ça, il bug! Il voit qu'il bug maintenant. Mais file-moi ça, mais... N'importe quoi. Voilà, là je cours. Aïe, putain. Il vient par ici, Clank. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, d'accord, là c'était moi. D'accord, c'était moi, mais. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas le moment. Viens ici, Clank. Voilà. Putain, cette fois, ça a failli être ma faute, cette fois. Bon, ça aurait été la première fois, mais. Ok, alors vous, je vous vois venir. Je peux vous dire que vous allez pas rester là très longtemps. Yo! Boom! Allez, multi-kill. Pouf. Allez, un petit coup de lance pas de tête, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à ça. Aïe. Ça commence à être assez chaud, j'ai plus de balles. Bon, un truc qui est quand même assez remarquable, c'est que tous les niveaux ont l'air d'avoir la même difficulté, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai pas l'impression qu'il y a des ennemis qui sont plus forts maintenant qu'à l'époque. Après il y a des difficultés au niveau du nombre de monstres, etc. Mais j'ai l'impression qu'au niveau puissance, résistance des monstres, c'est la même chose, j'ai presque l'impression de ça. Oui. Mais il est con, mais c'est pas possible. Il est par ici.
C'est pour ça qu'ils ont mis le truc par ici, c'est parce qu'ils avaient prévu que Clank allait bugger comme ça et qu'il faudrait à un moment ou un autre le faire revenir à la réalité parce que. Ah, là par contre ça va être ardu là. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Yes! Allez, troisième truc explosé. On a explosé gamma, delta et gamma. Gamma, alpha et delta, je crois que ça devait être. Ah, c'est ballot ça. Oh non, le cochon! Cochon, non, ils ont tué mon cochon! Allez, cochon, cochon tombé. Ok. Oui, sûrement, bah oui. Ventilateur, tu vas fermer ta gueule, putain. Ça fait plaisir. Oula. Ah bah ok, hein, moi je monte. Hein. Ah bah t'es un checkpoint. Tu tombes à pic. Alors, plus 800, plus 800, plus 800. Bizarre, ça m'étonne pas.